Alors, je suis maître de conférence à l'Université de Manchester, au Royaume-Uni. J'y travaille depuis janvier 2020. Et c'est une très grande université qui se situe dans la ville de Manchester. Et c'est une université qui couvre tous les domaines, tous les sujets. Et moi, je travaille plus spécifiquement dans une école, ce qu'on appelle le School of Art and Languages. Qui comprend les langues, l'histoire, la géographie, l'économie. Donc ça couvre vraiment différents domaines. Alors, mon domaine de spécialisation, c'est la littérature contemporaine, et plus précisément la poésie contemporaine. Alors la poésie n'est pas un sujet très étudié, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'a priori autour de cette discipline. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir aux interactions entre poésie et médias. Et actuellement, je travaille à l'écriture d'un ouvrage qui porte sur les questions de poésie et d'information. Alors, cette association poésie-information n'est peut-être pas absolument évidente, puisque on aurait tendance à penser d'ailleurs que l'information est hostile au domaine de la poésie, mais pourtant, quand on regarde l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle, on voit que nombreux sont les poètes et poétesses à s'être approprié les discours de l'information pour en produire des œuvres littéraires ou des objets poétiques. Et à une époque où nous vivons à l'ère de la saturation de l'information, je cherche à déterminer ce que la poésie et l'art en général peut nous dire ou nous faire penser des discours qui nous entourent et des modes d'action ou des possibilités qui sont offertes par ces objets. Je suis venu durant le mois de mars pour travailler avec Jean-Michel Gouvard, qui est professeur de littérature du 19-20e. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu être invité. Et dans le cadre de ce séjour, j'ai proposé trois conférences. L'une dans le cadre d'un séminaire de recherche, où je suis venu parler des rapports entre poésie et bruit. Deuxième séminaire était un séminaire qui était dédié aux étudiants, aux étudiantes de l'école doctorale. Et là, j'ai exposé mon projet sur poésie et information. Et aujourd'hui, j'ai mené une discussion, lecture, débat avec une poétesse contemporaine, Suzanne Doppelt, que j'ai invitée. Donc, ce séjour a été une opportunité non seulement de présenter mes recherches, mais aussi de travailler avec Jean-Michel Gouvard et d'autres collègues comme Estelle Mouton-Revira ou comme Philippe Ortel, et de proposer justement, enfin de penser en tout cas ces séminaires comme un espace de dialogue et d'échange. Je dirais que ce qui m'a frappé en tout cas durant ce séjour, c'est la diversité des publics qui ont pu assister à mes interventions. Et en même temps, l'intérêt ou la curiosité des étudiants, des étudiantes et des profs pour ces sujets-là. Mais peut-être le point le plus fort, peut-être, c'était peut-être aujourd'hui, en fait, puisque faire venir des écrivains ou des écrivaines dans des institutions universitaires permet non seulement de montrer que la littérature est encore vivante, puisqu'il y a une personne qui vient l'incarner, si on veut, mais aussi de permettre aussi aux étudiants, aux étudiantes de comprendre ce qui se joue aussi dans l'acte littéraire aujourd'hui. Et donc avoir une personne qui vient, avec qui on peut discuter, avec qui on peut lire et échanger, me semble être un des points forts en tout cas enfin, de mon séjour, et je pense qu'il faut maintenir ce type de collaboration entre artistes, étudiants et universitaires. Alors, je vous ai déjà un petit peu répondu, bien sûr, mais je dirais que le point le plus intéressant, c'est que quand vous êtes professeur invité, vous avez un peu carte blanche, et expérimenter
en parlant de sa recherche, mais aussi en essayant de développer des formats un peu plus souples, disons, que les formats habituels qui sont les cours face à face ou les TD. Je pense que donner cette opportunité à un enseignant qui enseigne dans une sphère et dans un contexte linguistique différent, c'est aussi, c'était en tout cas pour moi, une manière aussi de penser et de questionner la manière dont je fais cours et la manière dont je partage mon savoir. La réponse en un mot est oui. Alors, on a déjà discuté avec certains collègues de projets à venir, et notamment un projet d'organisation d'un colloque sur Suzanne Doppelt, justement, qui se tiendrait à Rome l'année prochaine. Donc nous sommes en train de discuter les aspects techniques ou logistiques, si vous voulez, de cette collaboration. Mais j'espère en tout cas avoir l'occasion de revenir dans un autre contexte, parler de poésie contemporaine et travailler avec des collègues sur de nouveaux projets.